Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester un petit peu le nouveau plugin de Perroquet. Allez, go, on y va. Tu vas voir, ça va être très rapide. Je vais te faire le truc en direct. Tu vas voir, c'est super. On réserve d'abord un nom de domaine. Allez, hop, on redirige les DNS vers Cloudflare pour être tranquille. Ça prend 2 secondes. Grâce à Duplicateur, je t'installe WordPress en 2 minutes. On a installé notre WordPress, il est vide. Vous voyez, c'est marqué rien de trouvé, lancez-vous. Et bien, on va se lancer. On a évidemment installé le plugin Perroquet que vous trouvez sur perroquet.com dans mes sites. Donc, on l'installe et on va sur Settings. Nous avons ici une clé API et une URL. Ces deux choses, on va les copier dans Perroquet. Allez, go, on y va. On copie. Voilà, donc dans Perroquet, on crée un site qu'on va appeler Gastronomie. On lui rentre l'URL du WordPress Perroquet et on lui rentre la clé API. Et on valide. Maintenant, notre site est créé. Nous avons 0 contenu, on va en mettre. Comme on est un petit peu malin, on va aller voir sur Next Level leurs besoins. Justement, il y a gastronomie, ils veulent pizza surgelée, ils veulent course en ligne, ils veulent livraison de courses à domicile, ils veulent Henken. Eh bien, écoutez, on se lance, on va se lancer là-dessus. Donc, dans mon WordPress, j'ai créé les 4 catégories qui correspondent aux besoins de Next Level. Henken, livraison de courses à domicile, course en ligne, pizza surgelée. Maintenant, on va générer du contenu pour ces 4 catégories. Maintenant, je vais sur SEMrush. Je tape Henken. Je prends les mots-clés principaux et j'exporte en CSV. Maintenant, regarde, on copie les keywords. Allez, on va aller en prendre 30, par exemple. On copie. On retourne dans Perroquet. On va choisir pour le site à créer notre site de gastronomie. On a copié nos 30 mots-clés directs dans les articles à créer. Et on va choisir un squelette, par exemple, mini-article. Et on génère tout ça. Allez, go ! Lancer. Voilà, tous nos articles sont créés. Maintenant, on va les exporter directement sur WordPress. On va dans mes sites. On choisit le site gastronomie. On va les mettre en publish. On n'en a rien à foutre. On va balancer tout ça. On fout ça dans la catégorie Henken. Et on fait un push WordPress. On regarde maintenant le site. Allez, go! Eh ben, on a nos contenus qui sont bien arrivés. Voilà, en fonction des mots-clés, voilà, on a plus ou moins des images à la une, du contenu qui va correspondre plus ou moins bien à notre demande. Par exemple, là, voilà, NKN00. Regardez, on a les sous-titres, machin, on a tout. Voilà. Go! Plus ou moins bien, là on est sur des fûts, on a l'histoire de Henken, allez, on a les photos de Henken, tout ça correspond ou ne correspond pas, mais on a quelque chose de quand même assez sympa. Voilà, Henken recrutement, ah voilà, on a tout. Là par exemple, sur cet article, nous avons tapé le mot-clé musée Henken.
l'image à la ligne, c'est Zenken. C'est marrant, quand même, hein. Le visier Enken, c'est marqué là. Ouais, ouais. Et puis, on avait tout un article, etc. Et voilà, toutes les dates. Et c'est pas mal, là, quand même. Donc là, j'ai fait exactement pareil pour livraison de courses à domicile. Hein. Donc, on voit qu'on a, effectivement, bah, pareil, des mots-clés, des titres, des H2, un petit peu une photo de la lune qui correspond. Tout parfait. Donc, on a fait la même chose pour les pizzas surgelées. Et tout, la pizza surgelée de mon coup. Voilà, on a la photo de la lune qui va plutôt bien. L'article qui va plutôt bien. Et voilà, nickel. Alors voilà, nous avons mis la dernière catégorie qui est course en ligne. Et bien, course en ligne, évidemment, il nous a généré des mots-clés, par exemple, sur courir pour gagner avec les courses PMU. Bah écoutez, voilà, ça y correspond. Moi, j'y peux rien, si course en ligne, ça sera là-dessus, etc. D'un autre côté, vous avez des trucs qui sont en rapport avec les courses. Donc là, ben voilà, on a créé un site de 108 articles avec 4 catégories. Rapidement, vas-y, ce site a été fait en 2 heures. Il nous a coûté quoi ? Ben, il nous a coûté un nom de domaine, 8 euros. Il nous a coûté un logo, 1 euro, donc on a 9. Il nous a coûté 108 euros de perroquet de génération de contenu. On doit être à peu près à 120 euros. 120 euros un site avec 108 articles. Mieux, tu peux pas faire. Et mais si, en fait. Parce qu'à partir du 1er septembre, tout ça va être réduit. En fait, à partir du 1er septembre, comme OpenAI baisse ses prix, nous aussi, on va baisser nos prix. Et bah, tout ça, tu pourras l'avoir pour une soixantaine d'euros. Un site comme ça. Et après, tu vas me dire, est-ce que ça rentre, est-ce que ça rentre pas? Bah écoute, on fait la suite. Donc la suite c'est quoi? Eh bien la suite c'est qu'on va tout simplement aller sur la Search Console et puis on va enregistrer notre nom de domaine, hein, tout simplement. Donc on va lui rentrer, voilà, guide. L'astronomie.com. Hop, allez. Notre propriété est enregistrée, maintenant on va lui enregistrer son sitemap. On a nos 104 articles et ben on va rentrer toute cette URL sur la Search Console, tout simplement. Donc voilà, on a soumis le sitemap dans Google Search Console. On a nos 104 URL découvertes. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors je lis des choses, il n'y a pas terrible. C'est pas quali tes articles. Ah non, c'est pas quali. On le sait que t'es pas quali. Wesh, si tu veux du quali, prends des articles que tu as payé 30 euros. Comment tu veux que ça soit la même qualité entre 30 euros et 1 euro? 1 sur 30. Si tu n'as pas ça dans la tête, je prends rien faire pour toi. Quoi. Après, comprends bien, c'est de l'IA. Tout ça est de l'IA. Et donc, évidemment, on n'est pas au niveau d'un rédacteur humain. Maintenant, tous les contenus, tout ce que j'ai fait aujourd'hui en te montrant en 2 heures, il n'y a absolument aucune review. C'est du pur, du dur, de la vérité. Moi, je te cache pas les choses. Je te fais la vérité. Après, tu prends pas. Voilà, chacun fait son truc. Moi, je peux te dire, bah voilà, ça rentre quand même. Tu prends des sous quand même. Après, tu fais ce que tu veux.